Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 5, verset 17. Nous l'avons déjà vu vendredi, mais je sens vraiment dans mon cœur que nous devons encore continuer à approfondir ce que le Seigneur nous a montré. La Bible nous dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et qui les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Aujourd'hui, le message de ce matin s'intitule « La loi et la grâce ». Amen. Nous avons été entendus plusieurs fois, à plusieurs reprises, que nous sommes sous la loi et que nous sommes sous la grâce et que la loi, nous n'en avons plus besoin. J'ai entendu cela à maintes et maintes reprises, mais quand j'ai commencé à regarder ce que Jésus disait et à regarder dans les livres de la loi, j'ai pu voir et apercevoir que cette parole est une parole totalement fausse. Parce que la Bible nous dit quelque chose de particulier. Déjà, quand Jésus était sur la terre, les disciples pensaient au début que la loi allait être abolie à cause que Jésus était là. Mais Jésus un jour les a interpellés. Elle leur a dit quelque chose de particulier. Elle leur a dit, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi. Il dit, mais je suis venu non pour l'abolir, mais je suis venu pour l'accomplir. Et la question que j'ai posée vendredi était la suivante. Je dis, si Jésus, lui qui est le maître, est venu pour accomplir la loi, nous qui sommes ses serviteurs, et nous qui devons suivre son chemin, à combien de plus fortes raisons devons-nous nous-mêmes également accomplir la loi que le Seigneur nous a donnée? Amen. Et la Bible nous dira, Jésus continuera, il dira, en vérité, je vous le dis, celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui accomplira un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres de faire pareil, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. Amen. Donc le Seigneur voudrait nous encourager. Oui, nous pouvons entendre toutes sortes de prédications aujourd'hui. Anti-loi, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et combien de fois on est venu me remplir de ces paroles-là, mes frères, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. La loi, c'est pour les Juifs, nous n'avons pas besoin de la loi. J'aimerais vous dire, la parole que Jésus a dite est totalement contraire à toutes ces paroles-là. Et j'aimerais vous encourager de quelque chose de particulier. La Bible nous dira quelque chose de particulier. La Bible nous dira déjà à travers les prophètes, Dieu dit, j'arracherai leur cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair et un esprit nouveau avec mes lois gravées dans leur cœur. Pourquoi la difficulté, pourquoi les hommes de tout temps ont eu la difficulté d'accomplir la loi? Ils ont eu une difficulté à cause de quelque chose de particulier. Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout et que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de cette méchanceté de cœur. Et nous pouvons voir à
travers l'humanité que le cœur de l'homme est très méchant. À cause de cette méchanceté de cœur, les hommes ne peuvent pas mettre en pratique les lois que Dieu a données. C'est une chose qui est impossible pour eux. Mais pour cela, Dieu avait trouvé un plan de restauration, un plan de changement, dans lequel la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque périsse point, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand Jésus a donné sa vie, oui, il a racheté nos péchés. Oui, il nous a rachetés, mais il nous a donné aussi de son esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire pour accomplir les lois de Dieu dans nos vies. Bien des fois, nous sommes restés bloqués en disant, nous avons reçu le Saint-Esprit, oui, c'est pour m'appeler prier en langue, oui, c'est pour voir des malades guéris, oui, c'est pour voir les démons chassés, oui, c'est pour voir toutes ces petites choses, mais je vais vous dire, nous avons premièrement reçu l'Esprit Saint pour que nous puissions mettre la loi de Dieu en pratique dans nos vies. J'enlèverai ce cœur de pierre, je me ferai un cœur de chair et un esprit nouveau, avec mes lois gravées dans leur cœur. Et c'est cela en tant que enfant de Dieu qui malheureusement a détruit l'Église. On a tellement dit, nous n'avons plus besoin de la loi, on vit sous la grâce, qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, mais qu'ils n'ont pas marché dans les voies que le Saint-Esprit voulait, et ils se sont égarés, et ça a donné des scandales. Le Seigneur veut nous interpeller sur cela, et nous dire, oui, tu as reçu le Saint-Esprit, c'est bien. Maintenant, le Saint-Esprit va t'aider quand tu vas commencer à lire les lettres de la loi dans la Bible, à mettre ces lettres en pratique parce qu'il va créer en toi le vouloir et le faire. Amen. Et quand cela commence à se produire, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu vas être un disciple de Jésus accompli. Parce que d'une part, il y aura la grâce de Dieu, et d'autre part, il y aura la loi de Dieu qui va également tracer un chemin dans ta vie. Amen. Et je veux vous dire que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. Et par mégarde, bon nombre de personnes transgressaient la loi. Alors peut-être qu'on va me dire, oui, mais si nous transgressons la loi, qu'est-ce que nous devons faire? Je veux vous dire que pour chaque péché à l'époque, il y avait un certain nombre de sacrifices à devoir faire dans la loi, à devoir accomplir. Mais je veux vous dire qu'aujourd'hui, le sacrifice n'a plus besoin d'être donné parce que Jésus à la croix a accompli le sacrifice parfait pour pardonner tous les péchés. Amen. Et si nous voyons que nous sommes transgresseurs de la loi, alors nous disons à Dieu, Seigneur, change-nous pour que nous puissions aller au-delà de la transgression de la loi. Alors peut-être que, quand vous allez m'entendre ce matin, vous allez dire, mais alors si nous comprenons bien, nous devons faire toute la loi et pratiquer toute la loi comme tout est écrit. Il y a certaines choses juste au niveau de la loi qui ont changé dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancienne Alliance, chaque mâle devait être circoncis. Et il y avait un certain nombre d'animaux que nous ne devions pas manger qui étaient qualifiés de impurs. Pourquoi ces animaux étaient qualifiés d'impurs? Ils étaient qualifiés d'impurs parce qu'il y avait aussi des hommes sur la terre qui étaient qualifiés d'impurs. Autrement dit, tous les hommes sur la surface de la terre qui n'avaient pas la marque de la circoncision sur leur corps étaient qualifiés d'impurs. De la même manière, il y avait des bêtes qui étaient qualifiées d'impures. Et dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus a donné sa vie, quelque chose de nouveau s'est passé. La circoncision dans le corps n'était plus quelque chose qui était obligé, parce que maintenant, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, il y a la circoncision du cœur. Et étant donné que chaque homme qui reçoit cette circoncision de cœur devient pur devant Dieu, Dieu, la Bible nous dit,
qu'il a rendu toutes les bêtes qui étaient impures dans l'Ancien Testament pures dans le Nouveau Testament. Et c'est pour cela qu'il a parlé même à Pierre en lui disant, je peux manger de tout, ne déclare pas ce que je déclarais pur, impur. Ne déclare pas les choses que j'ai créées impures parce que moi je les ai déclarées pures. Ce sont les seules choses qu'ils ont changées. Mais je veux te dire pour tout le reste, mon frère, ma soeur, la loi que Dieu nous a donnée, les commandements que Dieu nous a donnés sont quelque chose de réel. Amen. La seule chose que nous n'avons pas le droit de faire en tant qu'être humain, c'est de donner la condamnation de la loi. Parce que Dieu a donné la grâce aux condamnations de la loi. Amen. Mais Dieu te demande de respecter, d'honorer toutes les choses qui sont écrites dans la loi et de parler aux autres de faire la même chose. Un jour, la Bible nous dit qu'un jeune homme riche arrive chez Jésus et dit, Seigneur, depuis ma tendre enfance, j'ai respecté tout ce qui est écrit dans la loi. La Bible nous dit que Jésus le regarda et Jésus l'aima. Pourquoi Jésus, dans toutes ses lettres, dans tous les évangiles, dans tous les passages de Jésus, on a rarement vu que Jésus regardait une personne qui l'aima. Des fois Jésus était étonné, des fois Jésus était plein de compassion. Mais la Bible nous dit pour cet homme, Jésus avait un autre regard qu'une compassion. La Bible nous dit que Jésus l'aimait vraiment. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui honorait et respectait réellement toutes les lois de Dieu. Parce que les pharisiens, les scribes, les gens religieux à l'époque, c'était des gens qui parlaient, qui montraient l'image de piété extérieure, mais à l'intérieur, la Bible dit c'était pourri parce qu'ils étaient corrompus. Corrompus par l'argent, corrompus par les cadeaux, corrompus par les présents, et ils n'osaient même plus dire la vérité aux hommes. Est-ce que c'est ici? Si quelqu'un venait chez un pharisien lui donner un cadeau, même s'il avait péché, le pharisien lui dit, oh, mais Dieu est bon avec toi parce que tu m'as donné un cadeau. Et Jésus avait assez de cette hypocrisie. Il a dit, je ne vois pas en eux des hommes véritables, des hommes qui marchent sur la vérité. Ils ont le nom d'homme de Dieu, mais ils se comportent comme des insensés. Et Jésus était en colère contre cela. Jean le Baptiste était également en colère contre cela. Mais la Bible nous dit que quand Jésus a vu ce jeune homme riche, la Bible nous dit qu'il l'a aimé parce qu'il a vu un homme qui était vrai. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont vrais avec lui. Amen. Le royaume de Dieu est premièrement pour ceux et celles qui aiment être vrais et qui aiment être justes. Si nous-mêmes nous trouvons injustes, même si nous avons une belle apparence de chrétiens extérieurs, nous sommes les plus grands menteurs parce que nous fermons le ciel. Amen. Et la Bible nous dit, cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. La justice de Dieu, souvent, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est la justice? La justice de Dieu sont dans ses commandements. Quand nous mettons les commandements de Dieu en pratique, nous entrons dans la justice de Dieu, et la Bible nous dit tout ce que tu as besoin, Dieu te donnera parce que tu pratiques la justice. Amen. Parce que tu as commencé à pratiquer la justice de Dieu, les commandements de Dieu. Oui, mais peut-être on dira, mes frères, c'est premièrement louer Dieu et prier Dieu qui est important, pas le reste. Mais j'aimerais te dire que louer Dieu et aimer Dieu, prier Dieu, fait partie de la loi de Moïse. Parce que le premier des commandements, c'est écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et Dieu servira lui seul. Ça fait partie d'un des commandements. Alors pourquoi, mon frère, ma soeur, respectes-tu le premier commandement et tous les autres, tu dis j'en ai pas besoin. Amen. La Bible dit celui qui enseignera aux hommes à violer l'un de ses plus petits commandements et qui le fera lui-même
sera appelé petit dans le royaume du ciel. Or, aujourd'hui, nous pouvons parler de beaucoup de choses. Et quand nous parlons de certaines choses, de l'ancienne alliance, de la loi, les oreilles commencent à frémir. Certains commencent même à se mettre en colère. Nous avons juste besoin de parler de la dîme et des offrandes. Quand nous voyons déjà les gens qui commencent à dire « Mais nous ne vivons plus sous la loi, nous vivons sous la grâce. » Mais je veux vous dire que dans le livre de Malachie, il nous est dit que si nous-mêmes, nous ne donnons pas nos titres, nos offrandes, nous sommes devant Dieu des voleurs. Et la Bible nous dit qu'aucun voleur n'entrera dans le royaume du ciel. Et j'en passe des commandements et des commandements. Tu n'en diras pas la maison de ton voisin, ni son âne, ni son bœuf, ni même sa voiture. À l'époque, ils avaient des ânes, des chevaux. Et la loi nous enseigne que nous ne devons pas envier quelque chose qui n'est pas à nous. Combien de fois nous avons nos sales habitudes, nous passons devant des choses, devant des belles maisons, qui ne nous appartiennent pas, et nous disons « Oh, elle est belle, si seulement elle serait à moi. » Amen. Comment ça dire, Seigneur, je bénis pour ce que tu lui as donné, parce que je sais que ma maison n'est pas loin, parce que j'honore ta parole. J'honore ta présence et je ne veux pas ce qui ne m'appartient pas. Amen. Amen. Je ne veux pas ce qui ne m'appartient pas parce que ta loi me dit que je n'ai rien à envier à personne. Mais je bénis les gens quand ils ont quelque chose parce que je sais que ma bénédiction va venir. Nous voulons savoir comment marcher avec Dieu. Oui, des fois ça va casser nos mentalités. Pourquoi? Parce que nous sommes envieux. On voudrait tout ce qui est aux autres. Amen. N'envions pas ni le matériel, ni les choses, ni même les personnes des autres. Hein, des fois, nous regardons la télévision, vous voyez une belle femme ou un bon mannequin, ou un bel homme pour les femmes, et Dieu, ah. Si seulement ce serait ma femme, ou sinon, si seulement ce serait mon homme, je serais plus heureux. Mais alors qu'il appartient déjà à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit quelque chose de particulier. Quand nous agissons de cette manière, nous pratiquons l'adultère. Il a dit, si tu regardes et tu convoites, tu as commis l'adultère. C'est quoi convoiter? C'est dire, ah, si ça serait à moi. C'est ça convoiter. Et je veux vous dire que nous sommes tous à combattre contre ces choses-là. Nous avons tous nos combats dans nos vies. Certains, ça va être le compte en banque aux autres. Ah, oh, si seulement je pouvais avoir son pognon. Ah, si j'avais le pognon de M. Hollande. Amen. Mais nous devons revenir à cette réalité, mon frère, ma soeur. La Bible dit, la loi de Dieu dit. À un moment, vous savez, l'apôtre Paul se trouve devant le tribunal. Et le souverain sacrificateur de l'époque ordonne aux soldats qui étaient là de le gifler. Et au bout d'un moment, Paul s'énerve parce qu'il se fait gifler pour rien. Et il se retourne vers le souverain sacrificateur et lui dit « Sépulcre blanchi, Dieu me jugera. » Et à ce moment-là, le soldat se tourne vers lui et lui dit « Pourquoi insultes-tu le souverain sacrificateur de Dieu ?» Et qu'est-ce que Paul fait tout de suite? En tant que homme qui respectait la loi, il lui dira quelque chose de particulier, il dit « Je te demande pardon. Je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur de Dieu parce qu'il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne tireras pas du mal du chef de ton peuple. » Amen. Paul était un homme qui accomplissait la loi de Dieu. Oui, il vivait des grandes choses. Oui, il vivait la grâce de Dieu, les miracles de Dieu, la gloire de Dieu. Mais c'était aussi un observateur et un accomplisseur de la loi de Dieu. Amen. Et quand il parlera des fois sévèrement aux églises, il leur parlera toujours d'après le modèle de la loi. Les
Dieu donnait d'après le modèle de la loi. Amen. Et je veux vous dire que sans loi, sans règle, l'homme va n'importe où, n'importe comment. C'est avec les règles, avec les lois, qu'un homme peut grandir dans une bonne stature. Avec nos enfants, c'est pareil. Si vous laissez faire tout ce que vous voulez à vos enfants, et que vous ne leur donnez ni aucune éducation, ni aucune règle dans vos maisons, je vais vous dire que d'ici quelques années, votre maison sera un lieu d'anarchie totale, un lieu de bazar total. Pourquoi? Parce que aucune règle, aucune loi n'a été établie. Et malheureusement, à bien des fois, j'ai pu constater que l'Église est devenue un lieu d'anarchie totale parce que aucune loi, aucune règle n'était établie. On parlait que de la grâce. La grâce, c'est quelque chose de bien, mon frère, ma soeur. Mais la grâce doit également continuer sur les règles de la loi que Dieu a données pour que l'homme puisse marcher droit. Amen. Amen. Nous avons parlé avant de respecter le chef du peuple. En l'occurrence, dans notre pays, c'est à respecter le président, à respecter les maires, respecter les ministres. Et nous irons plus loin, respecter celui qui a une autorité supérieure sur nous. Amen. La Bible nous dira que même dans les cas familiaux, l'épouse doit respecter et se soumettre à son mari. Ça ne veut pas dire qu'elle est esclave, mais que pour marcher dans la vie, elle doit marcher d'après le consentement de son mari. Les maris doivent aimer leur épouse pour entrer et accepter de vivre avec eux dans le consentement. Amen. Amen. C'est ça le mariage. Quand on se marie, on demande, est-ce que vous voulez vous marier? Mais il y a un consentement mutuel. Si elle dit non, si elle dit non, le mariage est annulé. Si elle dit oui, donc ils ont décidé de vivre avec un consentement mutuel. Amen. Et le consentement du mari à l'égard de la femme, ça va être de l'aimer, de la soutenir, d'épauler. Et le consentement de la femme à l'égard de son mari, c'est de lui soumettre ce qu'elle veut faire. Nous-mêmes, en tant que citoyens, nous devons respecter les autorités qui sont en place, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux. Amen. Nous pouvons ne pas être d'accord avec eux, nous pouvons nous opposer, ne pas obéir à tout ce qu'ils disent parce que nous ne sommes pas d'accord, mais ne portons pas de propos injurieux à leur égard, respectons les autorités. Amen. De la même manière, dans l'Église, nous devons également nous soumettre aux autorités, respecter, honorer les autorités. Des fois, je suis étonné de voir des hommes et des femmes qui n'ont aucun scrupule, aucun respect, ni pour les serviteurs de Dieu, ni pour personne. Pourquoi? Parce qu'on nous a bassinés que la loi, nous n'en avions pas besoin. Donc les hommes ne savent pas comment marcher. Et après, tout le monde se plaint parce qu'il n'y a des fois même pas de respect entre propres frères. On voit des fois qu'un frère fait la guerre à notre frère. Mais la Bible nous demande de respecter notre prochain, d'honorer notre prochain. Que ce qui appartient à notre prochain ne nous appartient pas, nous n'avons pas à y envier. Amen. Tu vois que ton voisin a une nouvelle montre, a des nouvelles chaussures, a une nouvelle veste. Déjà, tu es déjà en train d'envier, ah, si moi j'y aurais, peut-être tu vas me donner. Mon frère, ma soeur, si je veux te donner, amen. Mais ne m'envie pas. Amen. Ne m'envie pas. Et c'est là où, quand nous commençons à marcher avec Dieu, c'est là où nous voyons qu'est-ce que c'est le péché dans nos vies. Jusqu'avant, on croyait que le péché, c'était seulement l'adultère, la fornication, le mensonge. Oui, ça fait partie des péchés. Mais l'envie fait aussi partie des péchés. La médisance fait aussi partie d'un péché. Notre mauvais comportement à l'égard d'autres personnes, c'est aussi un péché. Nos insultes, des fois, par rapport même au gouvernement,
à notre président, c'est aussi un péché. Et quand on commence à concevoir quelle est la dimension, quelle est l'amplitude du péché dans nos vies, c'est là où on commence à saisir qu'il y a des lois, des règles à respecter et à commencer à mettre nos vies en règle et à nous préparer pour le retour du Seigneur. La Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. Que celui qui pêche, pêche encore. Mais travaillons, lavons notre robe avec le sang de l'agneau jusqu'au retour du Seigneur. La Bible nous dira que quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, quelque chose m'a étonné. Zachée, c'était un péager, un pêcheur à outrance. Mais Jésus a apprécié le geste que Zachée a fait. Parce que quand Zachée a donné sa vie à Jésus, il s'est souvenu que dans la loi, il est dit que si tu as volé quelque chose à ton frère ou à ta soeur, tu vas lui rendre jusqu'à 4 fois. Et Zachée a dit au Seigneur, moi je vais rendre jusqu'à 4 ou 5 fois tout ce dont j'ai volé aux gens. Et quand il a dit ça, Jésus l'a regardé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, le salut est entré dans cette maison. Le salut, ce n'est pas seulement le fait de dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie et j'accepte que tu aies pardonné mes péchés. Et de retourner dans tes péchés, ça, ce n'est pas le salut. Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est se moquer de Dieu. Mais le salut, c'est de dire, oui, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Oui, Seigneur, je marche avec toi. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais mettre ma vie en règle et au diapason d'après tes règles et tes commandements pour te plaire, toi. Ça, c'est le salut. Ça, c'est la conversion. Ça, c'est la transformation. Tout ce qui va seulement une belle parole, une belle prière et demain tu recommences. Tu commences à arnaquer les gens, tu vas te baptiser et tu continues à mentir, tu continues à voler, tu continues à faire toutes les choses mauvaises. Alors mon frère, ma soeur, tu as un problème de conversion. Je ne peux pas croire que le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme et d'une femme et que durant des années, son caractère, sa personnalité, toute sa vie n'a fait aucun changement. Si tu viens me dire après 10 ans, je suis toujours le même, je n'ai rien changé, j'ai seulement donné ma vie à Jésus et je vais à l'église. Alors j'aimerais te dire, ta vie, il n'y a eu aucune conversion réelle, le salut n'est pas encore rentré dans ta vie. Pourquoi? Parce que le salut implique un changement. Et dans ce salut, il y a un amour pour la vérité. Et ça, seul le Saint-Esprit peut le faire. Malheureusement, nous sommes seulement dit oui, le Saint-Esprit vient quand tu parles en langue. Je vais vous dire, les sorciers parlent aussi en langue, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Oui, le don en langue est un des dons que tu as donné. Et je bénis Dieu pour ce don. Mais le fruit réel de la réelle conversion, de la réelle visitation de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme, c'est l'amour pour la vérité et l'amour pour les lois que Dieu a données. La Bible nous dit que plusieurs viendront à la fin des temps faire des signes, des prodiges, des miracles. Et pourtant, ce ne seront pas des gens que Dieu envoie, mais la Bible nous dit que ce seront des séducteurs, des hommes qui aient marché selon leur bon plaisir, des envoyés, la Bible nous dira des envoyés de Satan, des apôtres déguisés. Et l'apôtre Paul a dit, ça ne m'étonne même pas parce que, de toute façon, le diable aussi était un ange de lumière et il doit toujours se déguiser, prendre une belle apparence. Et Dieu là, ce sont des hommes et des femmes qui aiment le plaisir plus que Dieu, qui aiment les choses de ce monde plus que Dieu, qui aiment des fois peut-être même l'argent plus que Dieu. Je n'ai pas dit que nous ne devons pas aimer l'argent, nous en avons besoin pour vivre. Amen. Et si Dieu nous bénit financièrement pour qu'on puisse aider, soit les hommes de Dieu, les gens qui n'ont rien à manger, amen, on bénit Dieu. Et la Bible nous dit que ces hommes, ces femmes, ont la motivation première de l'argent
et pas de croire que les hommes étaient sauvés. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, vous reconnaîtrez ces arbres à leurs fruits. Si déjà tu commences à parler à un homme qui te dit, je suis rempli du Saint-Esprit, mais je ne veux rien savoir de la loi, je vis seulement sous la grâce, je ne veux rien savoir de la loi, alors tu dis, mon frère, tu es déjà à côté de la plaque et tu as déjà été séduit. Amen. La loi nous ramènera toujours dans le chemin de la vérité. Sinon, Dieu n'aurait jamais donné la loi. Est-ce que c'est ici? Mais Dieu a vu que le peuple d'Israël avait été sauvé par grâce. Ils ont été tirés de la grille de l'esclavage. Ils ont passé la mer rouge, la mer s'est ouverte. Mais Dieu s'est souvenu. Abraham était sauvé par grâce. Isaac était sauvé par grâce. Jacob était sauvé par grâce. Pourtant, c'était des hommes, ça ne leur empêchait pas de mentir. Ça ne leur empêchait pas de faire comme eux ils voulaient. Et Dieu savait que si ce peuple qui vient de sortir, qui était 5 à 6 000 hommes dans le désert, ils n'avaient pas de loi pour être réglés, ces hommes allaient faire tout et n'importe quoi. Et ils l'ont fait. Parce que quand Moïse est monté 40 jours et 40 nuits sur la montagne, en bas, ils ont fait le veau d'or, et ils ont fait des orgies, ils ont fait la fête, ils se sont libérés à toutes sortes de choses occultes. Et Dieu a mis une loi pour régler. Je veux vous dire que dans l'Église aussi, Dieu veut une loi. Amen. La loi ne fait pas partie du contrôle. La loi, c'est une règle de vie pour marcher avec le Seigneur. Et les lois que Dieu nous a données ne sont pas là pour faire joli dans notre Bible. Elles sont là pour être honorées, pour être respectées. C'est Jésus même qui le dit. Si tu veux être appelé grand au royaume du ciel, alors pratique cette loi. Et enseigne aux autres à la pratiquer. Et Jésus lui-même a dit, tu seras appelé grand dans le royaume du ciel. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Amen. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant que frère et saint dans l'Église, en tant que disciple de Jésus, si quelqu'un vient me dire, oui, mais que fais-tu de la loi? J'aimerais te dire, je dirai les mêmes paroles que le Seigneur. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais en tant que disciple de Jésus, mon devoir est de la remplir. Amen. Changeons nos mentalités. Commençons à grandir dans les choses que Dieu nous demande et disons, Seigneur, je suis sur cette terre pour accomplir ta loi. Parce que si je recherche ton royaume et ta justice, premièrement, toutes les autres choses vont être données. En accomplissant la loi de Dieu, les préceptes de Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu donnera toute la bénédiction dont nous avons besoin. Amen. Et il dira, même si la bénédiction tarde à venir, elle viendra certainement. Amen. Même si cette chose tarde à venir, à cause de notre persévérance et à cause de notre détermination à toujours vouloir respecter la loi de Dieu, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que cela s'accomplira. Amen. On nous parle pour les jeunes gens, on nous parle pour les vieillards, on nous parle pour les hommes de toute classe. Amen. Amen. Et quand nous commençons à respecter ces lois, nous allons voir que le Seigneur va être glorifié. Si le Seigneur est glorifié, alors il manifestera sa gloire. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a, comme je l'ai dit vendredi, le monde des anges, le monde des démons. Et nous qui avons le Saint-Esprit, ce monde-là regarde comment nous allons réagir. Si nous agissons mal, et nous l'avons tous fait, tout en étant remplis du Saint-Esprit, en ne respectant pas les lois de Dieu, nous semons dans le monde spirituel la confusion. Amen. Mais si nous agissons d'après les lois de Dieu, alors les anges glorifient le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la justice de Dieu. Amen.
Quand Jésus avait parlé à ce jeune homme riche, il a regardé ce jeune homme riche, il lui a dit, mon ami, il te manque une seule chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras une grande récompense dans le ciel. La Bible nous dit que ce jeune homme riche s'en alla tout triste. Pourquoi il s'en alla tout triste? Pourquoi Dieu lui a posé cette question? Dieu haïssait-il les juifs? Non, Dieu haïssait-il les riches? J'aimerais vous dire non, Dieu n'haïssait pas les riches. Mais Dieu avait vu que cet homme, sans connaître le Saint-Esprit, sans connaître sa présence, a mis toutes ses lois en pratique. Il lui a donné une autre loi, parce qu'il savait que cette loi, il ne pouvait pas la faire par lui-même si le Saint-Esprit n'habitait pas en lui. Amen. C'était une loi en plus qu'il lui a donnée. Parce qu'il voulait lui montrer, lui dire, c'est bien de t'honorer tout ça. Mais maintenant, pour accomplir ce que je te demande d'accomplir, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de mon aide. L'homme est parti parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Pour faire ce que Dieu nous demande, mon frère, ma soeur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dieu nous parle déjà par sa parole. Mais quand nous commençons à mettre déjà ces choses de sa parole en pratique, Dieu va des fois nous demander d'autres choses qui vont dépasser notre raisonnement, dépasser notre intelligence. Et il nous demande des fois des choses que humainement nous ne comprenons pas. Abraham, il lui a demandé, sacrifie-moi ton fils, Isaac. Imaginez, sans l'aide de Dieu, est-ce qu'un homme peut aller sacrifier son fils unique, comme ça, sur un autel? Il avait besoin de l'aide de Dieu. Moïse, Dieu lui a dit, va en Égypte. Le pharaon, celui qui te recherche, il veut faire mourir. Et dis-lui, ainsi par l'Éternel, laisse partir mon peuple. Sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de Dieu, jamais Moïse n'aurait pu y aller. Et j'en passe, c'est tant d'autres. Paul, à la fin de sa vie, alors qu'il était chez les frères et sœurs en train de prier, un prophète vient, se lie la ceinture, se lie les pieds et les mains avec la ceinture de Paul, et l'a dit, voici ce que les gens, ce que les Romains vont faire à cet homme, ce que les Juifs vont faire à l'homme à qui appartient cette ceinture, ils vont le lier et ils vont le tuer. Et tous les gens qui étaient autour de Paul, ils ont dit à Paul, ne va pas à Jérusalem, parce que tu vas mourir. Et lui a dit, j'irai là où Dieu veut que j'aille, et si Dieu veut que je meure, je mourrai en son nom. Non, Paul n'était pas un suicidaire. Paul n'était pas un fou, parce que se faire décapiter la tête, c'est quelque chose de terrible. Mais Paul était un homme rempli du Saint-Esprit, qu'il savait que Dieu lui donnait la force dans toutes les choses qu'il lui demanderait. Et il dit à l'homme qui se fait lapider, à respecter, honorer la loi. Et au bout d'un moment, il dit à Seigneur, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et quand il dit ça, il voit le ciel ouvert, il voit le Père et le Fils à sa droite. Amen. Quelle joie dans le ciel, mon frère, ma soeur, quand Dieu voit un homme, quand Dieu voit une femme qui commence à honorer et à respecter les lois de Dieu. Amen. J'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager. Qu'après, quand nous allons prier, nous allons demander pardon au Seigneur pour nos fautes, pour nos péchés. Mais nous allons dire aussi, Seigneur, apprends-nous à honorer et à respecter ta loi. Amen. Nous allons prier ensemble pour un instant. Et nous allons vraiment demander l'aide et la grâce du Seigneur. Seigneur, je viens ce matin devant le trône de ta grâce. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que nos pères. Nous ne sommes pas meilleurs que les générations passées qui ne te connaissaient pas. Je viens avec mes frères et mes sœurs dans l'église, et moi-même, je ne suis pas meilleur que quiconque dans ce lieu, que quiconque soit honnête. Seigneur, nous sommes également
au même piédestal. Et je te demande pardon avec mes frères et sœurs, avec mes bien-aimés, pour nos péchés, pour nos fautes. Je te demande pardon pour les fautes de ce pays. Seigneur, je te demande pardon pour nos erreurs, toutes les fois que nous avons transgressé ta loi. Et je reconnais que bien des fois, moi-même, j'ai transgressé ta loi. Mais donne-nous l'amour pour la vérité, l'amour pour ta loi. Saint-Esprit, c'est toi qui donnes cet amour dans le cœur. Tu as dit, j'arracherai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Un esprit nouveau, une pensée nouvelle, avec les lois de Dieu gravées sur le cœur. Seigneur, nous voulons, par la lecture de la parole, par l'étude des Écritures, que ces lettres de la loi puissent se graver dans nos cœurs et que nous ne puissions pas l'oublier. Que nous puissions saisir et savoir que tu es le Dieu Tout-Puissant qui règne. Seigneur, je te prie pour ton peuple et je te demande, Seigneur, que d'une vraie transformation, d'une vraie transformation maintenant saisisse les cœurs et les vies. Que tous ceux qui entendent maintenant ce message soient touchés par la grâce et également touchés par l'amour de la loi, par l'amour des préceptes et par l'amour des prescriptions. Tu as dit dans ta parole, celui qui suivra mes préceptes et mes prescriptions vivra à perpétuité. Vivra à perpétuité. Et ces préceptes et ces prescriptions seront enseignés dans chaque génération à perpétuité. Seigneur, ce sont les lois de ton royaume, ce sont les lois qui s'appliquent dans le ciel, et sur la terre, nous voulons déclarer que ces lois s'établissent. Seigneur, je veux vraiment t'exalter et te glorifier. Merci qu'à travers nos comportements, merci qu'en manifestant aussi ta justice, la grâce, la justice se manifestera pour que le plus grand nombre soit sauvé. Je bénis ton peuple. Je bénis ceux-ci qui sont derrière leur écran. Que ta paix, ta bénédiction, ta grâce repose sur chacun d'entre nous et nous raccompagne dans nos demeures. Dans le nom de Jésus. Que toutes les portes de bénédiction soient ouvertes. Que toutes les portes de grâce soient ouvertes. Pour la gloire de ton nom.